أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va présenter un examen de la première période. اليوم سوف نقدم امتحان الفترة الأولى. Alors, concentrez-vous avec moi. هل أنتم مستعدون؟ Allez, on regarde ça. Alors maintenant, on va commencer avec le premier exercice, ou plutôt la première question. Regardons. Tu lis, puis tu trouves le titre de chaque document. Alors, observez un peu la question. Dans la première partie, il y a des titres. Et c'est quoi des titres ? Anawin. D'accord ? Et dans la seconde partie, on a des documents. Aounas. Et il faut faire, ou plutôt faire correspondre les titres avec les documents selon le tableau ici. Observez qu'il y a des numéros, 1, 2, 3, 4, pour les titres. Et après, selon les documents, ce sont des lettres, A, B, C, D. Donc pour répondre à la question, il faudra écrire les lettres des documents, mais correspondant au titre. Vous allez comprendre. Maintenant, lisons un peu ce qui est écrit. Titre 1. Mon pays. Titre 2. Loisirs. 3. Profession. 4. Saison préférée. Maintenant, on va faire correspondre le titre avec les documents. Mais lisons ce qui se trouve à l'intérieur des documents. Document A. Je suis journaliste. J'écris dans un journal français connu. Je suis aussi photographe. Voilà pour le document A. Pour le document B. C'est le Koweït. Il y a les tours et le parc de Chaeb. Je l'aime beaucoup. Venez le visiter. Voilà pour ce qui est du document B. Document C. Au printemps, il fait beau. Tout est vert. Je vais toujours au jardin avec mes amis. Voilà pour ce qui est du document C. Et document D. L'équitation, c'est mon sport préféré. Mais j'aime beaucoup la lecture aussi. Voilà pour ce qui est des documents. Mais maintenant, avant de répondre, je vais vous donner quelques conseils. Nasa'eh. Maintenant, pour répondre à cette question, la première chose à faire, c'est que vous devez lire et comprendre les quatre documents. Et ça veut dire quoi lire? Lire, ça veut dire al-qira'a. D'accord? Et comprendre, ça veut dire quoi comprendre? Al-fahm. Les quatre documents, c'est ce qu'on a vu, A, B, C, D. Il faut les lire plusieurs fois. Puis, il faut lire les titres proposés. Qira'at al-anawin. D'accord? Voilà un autre conseil. Et puis, avec ça, il faut trouver le titre convenable à chaque document. Et après, chercher quel titre correspond au document. Donc, chaque chiffre correspond à une lettre. Allez, maintenant, on va répondre à la question. Alors, titre 1, on a vu que c'était « Mon pays »,« Baladi ». Alors, il correspond à quel document? À votre avis, A, B, C ou D? Je pense que vous avez trouvé. Je pense qu'il correspond au B. « Mon pays »,« Baladi », donc le document, « Finnas », il est dit « C'est le Koweït », « Hadih le Koweït », « Il y a les tours et le parc, « Chaeb », « Je l'aime beaucoup », venez le visiter. Donc là, il est en train de parler
de son pays. يتكلم عن بلده, الكويت. Maintenant, titre numéro 2, loisirs. C'est quoi les loisirs? On a vu, c'est le même sens que goût. Par exemple, je dis, j'aime le foot, le tennis, le basketball. Tout ça, ce sont des loisirs. Alors, il correspond à quel document? Bravo, il correspond au D. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot équitation, mais aussi sport préféré. Donc, cela correspond aux loisirs. Continuons. Profession. C'est quoi les professions? On l'a vu plusieurs fois. المهن أو المهنة. Alors, ça correspond à quel document? Voilà, c'est clair. Au document A. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot journaliste. Il y a aussi le mot photographe. Tout ça, ce sont des professions. C'est pour ça qu'on a fait correspondre 3A. Dernier document à faire correspondre, c'est saison préférée. C'est quoi saison? Fasl. Préféré, al-mufaddala. Alors, bon, c'est très simple. C'est le C. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot printemps. Et ça met sur la voie tout de suite. Vous avez vu? C'est la question la plus facile de l'examen. On continue. Voilà une autre question. Tu lis le document suivant. C'est quoi tu lis? Iqra. On a deux documents, d'accord? Le courriel A et le courriel B. Et c'est quoi un courriel ici en haut? Un courriel, ça veut dire un email. Donc, on a deux emails, deux documents. Courriel A, ou plutôt email A et email B. Lisons le premier courriel. De Mansour Abader. Date, ça veut dire tarir, 2 février 2012. Objet, loisir. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Bonjour, nous aimons beaucoup le cinéma. Mais j'aime aussi le football et le basketball. Je regarde les matchs à la télé avec ma famille. Voilà pour l'email ou le courriel A. On va voir le deuxième email. De Bernard à Luc. Date 21 juin 2012. Objet, invitation. Alors, on va voir ce que Bernard a écrit. Bonjour, il fait chaud cet après-midi. Je vais à la mer avec mon père. Nous avons un bateau. Tu viens avec nous? Maintenant, on a des phrases ici. Il faut les faire correspondre aux emails. Est-ce que cette phrase « il préfère les jeux sportifs » correspond à A ou B? Regardez et mettez la réponse A ou B. La deuxième question. Il écrit en été. Il faut chercher. Dans quel email j'ai écrit ça? Ou je trouve ça? A ou B? Et mettez la réponse. La même chose pour 3. Il parle de ses goûts et il invite son ami. Mais avant de répondre, je vais vous donner quelques conseils. Alors, pour répondre à cette question, alors, voilà quelques conseils. Nasa'ih. Premier conseil. Nasa'ih al-oula. Lecture et compréhension des deux documents. Et c'est quoi lecture? Al-qira'a. Et la compréhension ou al-fahm des deux documents, ça veut dire des deux emails. Lecture et compréhension des phrases après les courriels. Il faut lire les questions à la fin. Ça veut dire les lire et les bien les comprendre. Voilà le deuxième conseil. Et enfin, le troisième conseil, c'est de dire est-ce que la phrase correspond à l'email A ou correspond à l'email B. Voilà pour les conseils. Continuons et répondons aux questions de cet exercice. Voilà. Alors, question numéro 1. Il préfère les jeux
sportif. Il préfère les jeux sportifs. Est-ce que cette information se trouve dans le courriel A ou dans le courriel B? À votre avis? Bravo. A. Pourquoi? Parce que il dit « J'aime aussi le football et le basketball. » Le football et le basketball, ce sont des jeux sportifs. Al-ab riyadiya. Donc c'est pour ça que j'ai mis A. Il écrit en été. Kataba fi as-sayf. Est-ce que c'est A ou B? Pour ça, il faut voir la date, at-tarikh. Alors, quel mois correspond à cette saison? Février ou juin? Bravo. Juin, c'est en été. Donc c'est le courriel B. Maintenant, il parle de ses goûts. Et on a vu, ça veut dire quoi goût? Ça veut dire les loisirs, les préférences. Alors, dans quel email ou dans quel courriel il parle de ses goûts? À votre avis? Bravo, c'est le A. Parce qu'il dit, j'aime le cinéma, le football, le basketball et les matchs à la télé. Donc, il parle de ses loisirs et de ses goûts journaliers. Et enfin, il invite son ami. Et ça veut dire quoi, il invite? Ça veut dire « yad'o sadiqo ». Donc, dans quel email? A ou B? B. Pourquoi? Parce qu'il dit « tu viens avec nous ». Donc, il fait une invitation, ou plutôt, il lui propose de venir avec lui. D'accord? Voilà. On continue. Donc, voilà un autre exercice. On lit la question. Tu associes les phrases aux images correspondantes. On a des phrases, jumel, et on a des images, suar. Et donc, on va faire correspondre les phrases aux images selon le tableau. C'est une question très facile. Lisons les phrases. C'est l'automne. Huda et Mouna a beaucoup de livres cette année. Et ma cousine est ingénieure. Mais avant de répondre, voyons les conseils. Alors, le premier conseil va être lecture et compréhension des trois phrases. Ça veut dire qu'il faut lire le qira'a et la compréhension. C'est quoi la compréhension? Wa fahm. Les trois phrases. C'est quoi les trois phrases? Al-jumal. Et puis, mettre la phrase convenable à chaque image. Et les faire correspondre. La phrase et l'image avec la lettre et le chiffre. D'accord? On continue. Maintenant, c'est l'automne. Cette phrase correspond à quelle image? Bravo! C'est, ce sont des feuilles et la saison est claire, c'est l'automne. Huda a beaucoup de livres cette année. Donc, c'est quelle image? Bravo, c'est l'image A. Et enfin, ma cousine est ingénieure, ça veut dire c'est une profession. 3B. Maintenant, voyons un autre type de question. Tu relis comme dans l'exemple. Et ça veut dire quoi tu relis? Wassel, d'accord? Et c'est quoi un exemple? Al-Mithal. Et là, dans l'examen, ils vont vous donner un exemple. Alors, voyons. Ils ont relié professeur, wassel au professeur, avec classe. Donc, 0, D. Al-Mu'allim, ma'a, as-saf. Maintenant, on va relier pays, mois et congé avec les mots de la colonne B. Mais avant de donner la réponse, je vais vous donner rapidement quelques conseils. Le premier conseil, c'est qu'il y a deux colonnes. Il y a colonne A et colonne B. Il faut faire attention. Et il faut relier le mot de la colonne A
avec la colonne B. Et c'est quoi relier? Relier, ça veut dire wassal. Kalimat de la colonne A, ma'al kalima de la colonne B. Voilà pour les conseils. Maintenant, voyons un peu la réponse. On a vu que professeur est relié avec classe. Mais alors, pays, avec quel mot? Avec août, week-end, Suisse ou classe? C'est très facile, avec Suisse, parce que le mot Suisse est un pays, balad. Maintenant, on va relier le mot mois, shahar, avec quel mot, à votre avis? Bravo, avec le mot août. Donc ça fait 2A. Et enfin, congé, ça veut dire atla, ou atlat akhr l'usbou', congé avec week-end. Ça fait 3B. Voilà, donc on a relié les mots kalimat de la colonne A ma kalimat de la colonne B. On va passer à un autre type de question. Mais cette question va être un tout petit peu plus difficile. Écoutez-moi. Tu réécris les phrases dans l'ordre en respectant la ponctuation. Et c'est quoi tu réécris? Observez ici l'exercice. Observez et regardez bien. Vous avez ici des mots mélangés. D'accord? Et il faut les réécrire dans le bon ordre. D'accord? Ça veut dire rattabi ou rattab. El kalimat. D'accord? Alors, on regarde ici. Quelle langue parles-tu? Et là, on a la réponse, d'accord, de la question. عندنا هنا إجابة للسؤال. Il faut la réécrire. D'accord? Et là aussi, on a une question, سؤال. Quel âge as-tu? Et là, on a la réponse, el إجابة. Mais elle est mélangée, مخربطة. D'accord? Donc, il faut la réécrire. رتبها. Vous avez compris? C'est très facile. Mais je vais vous donner quelques conseils. Dans l'examen, il y a 4 phrases, d'accord? Et il faut les mettre en ordre, parce qu'elles sont en désordre. C'est quoi en désordre? مربوطين, d'accord? Il faut les mettre en ordre. ولازم نرتبهم. Maintenant, vérifiez si la phrase est une question ou une réponse. Il faut faire attention, d'accord? Si la phrase est la jumla kanat su'al ou jawab. Et après, 3. Si ce n'est pas une question, mettez cette question en ordre. N'oubliez pas le point d'interrogation. D'accord? Et la jumla kanat su'al. D'accord? Il faut mettre la question en ordre. Et n'oubliez pas wala tansaw le point d'interrogation alamat al-istifham. Et à la fin, 4e conseil, si c'est une réponse, composez la phrase sujet verbe. D'accord? Il faut la mettre en phrase selon sujet, fa'al, verbe, fa'al, etc. Hein, vous avez compris? Allez, on va vous donner les réponses. Ici. Quelle langue parles-tu? Je parle français et anglais. Ana atakallam al-fransiya wa al-ingliziya. Voilà la première réponse. Ici. Quel âge as-tu? Donc observez, c'est une question et là, je veux la réponse. J'ai 13 ans et toi, ou ent. Et n'oubliez pas la ponctuation avec le point d'interrogation. Vous voyez, c'est très facile. Et faites très attention. À chaque fois, en fait, il y a le sujet, verbe et après la suite de la phrase. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce que tu aimes faire après l'école? Donc là, c'est une question et je veux la réponse. Je vais chercher où est le verbe? Il est là, le verbe. Mais le sujet, il est où? Il est ici. Donc voilà pour le sujet. Sujet,
le verbe et la suite de la phrase. J'aime jouer avec l'ordinateur. Et pour le reste, c'est une question. Tu as des frères? Point d'interrogation. Et la réponse ici, oui, j'ai deux frères. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de la question. Tu réécris les phrases dans l'ordre en respectant la ponctuation. Maintenant, voilà une autre question. Elle est en rapport avec la conjugaison. Ça veut dire tasrif al-af'al. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut apprendre les verbes. Regardez ici. Voyons le premier verbe. Détester. On va le conjuguer. Sauf nous sarif ma'a nous. Qu'est-ce que ça va donner? Nous détestons. Et à la fin, on a avoir et on va le conjuguer avec le sujet elle. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner on, elles ont. Donc voilà pour la question de conjugaison. Maintenant voilà, on va passer à la production écrite. On a ici une carte d'identité et on va devoir présenter le personnage. On a son prénom et son nom, on a son âge, sa profession et son adresse. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Martine Bruno. Donc il faut faire très attention qu'il faut mettre elle et non il. Elle parce que c'est une femme, donc il faut mettre un pronom féminin. Maintenant, pour répondre à cette question, on doit présenter le personnage dans la carte. Il faut présenter son nom. C'est quoi son nom? Al-ism. Zen. Il faut utiliser quel verbe? Bravo. Il faut utiliser les verbes s'appeler ou être. Il faut dire son âge. D'accord? Avec le verbe avoir. Il faut dire sa profession. Avec le verbe être. Et enfin, il faut dire son adresse. Avec le verbe habiter. Attention à la conjugaison des verbes. D'accord? Il faut faire attention quand vous conjuguez les verbes. On va répondre à la question. La première chose à dire, c'est son nom et prénom. Je vais dire, elle s'appelle Martine Bruno. Je vais parler de son âge. Elle a 30 ans. Je vais parler de sa profession. Elle est photographe. Et enfin, son adresse. Elle habite à Paris, 40 boulevard Victor Hugo. Donc là, j'ai présenté ce personnage avec les informations suivantes. Maintenant, on va faire un autre exercice de production écrite. Tu complètes la tchatch. C'est quoi tu complètes? Akmeli, la tchatch. C'est quoi la tchatch? Al-hiwar. D'accord? Là, on a deux personnages qui parlent. Sandra et Michel. Il y en a une qui pose des questions et l'autre qui répond. Il y a des trous. Il faut remplir les trous ou les phrases manquantes. Allez, on va lire très rapidement. Nous sommes quatre personnes en famille. C'est mon père. Tu es en quelle classe et qu'est-ce qu'il fait ton père? Donc, on va mettre des phrases qui correspondent au dialogue présent avec nous. Mais je vais vous donner quelques conseils avant de répondre. Bon, c'est une question d'interaction écrite. D'accord? Vous devez compléter un dialogue et une tchatch. D'accord? Donc, ça veut dire quoi compléter? Ça veut dire qu'il faut que vous mettez des phrases qui correspondent aux questions ou réponses du dialogue. Ça veut dire « akmeli al-hiwar ». Lisez bien le document. اقرأ جيدا النص. Qu'est-ce qu'il manque? D'accord? S'il manque une question, formez cette question selon la réponse. Et si la réponse qui manque, répondez selon la question. D'accord? On continue. Il faut faire bien sûr attention à la ponctuation. Voyons un peu l'exercice. Nous sommes quatre personnes en famille. Et ça veut dire quoi? Nous sommes quatre. Quatre personnes, c'est un nombre. Raqam. Donc, je veux une question. Abisoual. D'accord? Yata'allaq bil ijab. Donc, qu'est-ce que je vais écrire?
شنو راح اكتب برافو je vais écrire combien d'accord كم vous êtes combien en famille d'accord vous êtes combien en famille nous sommes 4 en famille voilà c'est très facile maintenant voyons la deuxième réponse c'est mon père c'est mon père et mon père c'est qui c'est une personne شخص et là je veux une question ابي سؤال donc qu'est-ce que je vais écrire شنو راح اكتب bravo je vais utiliser le mot interrogatif qui من هو d'accord ou qui est-ce d'accord qui est-ce c'est mon père maintenant je vais répondre à la question سوف اجاوب le سؤال qu'est-ce que je vais dire Tu es en quelle classe? Je suis en classe de 6e. Maintenant, voilà une question. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il fait ton père? Ça, c'est facile. Il demande la profession. Il est policier. D'accord? Et je parle de la profession de mon père. Voilà pour ce qui est des questions d'examen. أعزائي الطلبة والطالبات، وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا اليوم، وأتمنى لكم حظا سعيدا في الامتحانات الفترة الأولى. Au revoir et bon courage.